Coucou tout le monde, c'est Laetitia Gameuse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je dois répondre à vos questions. Donc dans une vidéo, je vous avais demandé de me poser des questions en commentaire. Et du coup, bah, j'ai pris toutes vos questions. Et bon, par contre, il y en a beaucoup qui m'ont demandé les mêmes. Donc c'est pour ça que je vais répondre en bref. Je vais pas dire le pseudo de chacun. J'ai gardé juste la question d'une seule personne sur les... Parce que beaucoup m'ont demandé la FaceTime, mon âge. Donc tout ça, bah, je vais vous répondre en bref. Donc c'est parti, je réponds à vos questions. Alors pour commencer, on m'a demandé si un jour j'allais faire une FaceTime. Beaucoup m'ont demandé et énormément de personnes m'ont demandé ça. Alors oui, il y aura une FaceTime. Pour quand? Ça, je ne sais pas. Car avant tout, j'aimerais acheter mon PC, mon téléphone avant d'acheter la cam. J'aimerais être... avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir vous faire un truc bien. Voilà. Après, on a Random qui m'a demandé si j'aimais le jeu Overwatch. Alors, pas vraiment. J'ai juste essayé la démo et j'ai pas trop aimé. Donc, voilà, j'ai... Non. plein de personnes me demandent aussi mon âge. Alors, j'ai 21 ans, les gars. Voilà. Nesboa qui me demande quelles sont tes passions et mon plus grand cauchemar. Alors, mes passions sont les photos, parce que j'ai fait des shootings photos, les animaux, j'adore les animaux, et le gaming tout simplement, tout ce qui est jeux vidéo, j'adore. Par contre, mon plus grand cauchemar, je ne pourrais pas te répondre, j'ai pas d'idée à cette heure-ci, je me rappelle plus vraiment des rêves et des cauchemars que je fais, donc voilà quoi. On a Date Sniper qui me demande quelle est la dernière chose que vous aimeriez faire avant de mourir. Alors, la dernière chose que j'aimerais faire avant de mourir, c'est pouvoir dire au revoir à ma famille, leur faire un bisou, leur dire que je les aime. Voilà, c'est pour moi la chose la plus importante. Et quel est mon sport préféré? Alors, mon sport préféré, j'ai pas vraiment de sport préféré, mais j'ai fait du sport, j'ai fait de la gym quand j'étais plus petite. Du coup, je dirais que la gym, voilà, j'aime bien la gym. Alors, Julie Gameuse qui me demande où j'habite. Alors, beaucoup de personnes ici m'ont demandé ça. Et c'est quoi mon Snap et mon Insta? Alors, j'habite à Nancy. Mon Snap, c'est xLaetitiaR. Il est écrit en description. Et l'Insta, j'ai un Insta, mais j'y vais pas beaucoup. Donc, ça sert à rien que je vous le donne. Je dois mettre une photo tous les 6 mois. Donc, c'est un peu inutile. J'ai Axel qui me demande comment tu rencontres. Comment? Qui me demande comment j'ai rencontré Folezou. Alors ça, c'est une bonne question. Alors, Fol, je l'avais déjà en ami. Je ne sais plus pourquoi. On a dû déjà jouer ensemble sous GTA, mais sans savoir au micro. Et un jour ou l'autre, il m'a envoyé un message et il m'a demandé s'il y a moyen de parler au micro parce que il m'avait en ami, mais on joue pas vraiment ensemble, quoi. Du coup, j'ai dit pas de soucis, je l'ai invité, on a commencé à parler, on a commencé à jouer ensemble et du coup, je l'ai bien apprécié. C'est un mec cool, il est gentil, il fait rigoler, il se la pète pas, donc c'est génial. Ezou, c'est un ami à lui qui connaît en vrai, du coup, il l'a invité au micro et du coup, bah, j'ai aussi bien apprécié. Du coup, maintenant, bah, tous les trois, on se quitte plus, quoi. Alors, il y a Kenzie qui me demande si j'ai le permis et si j'ai un copain. Alors, non, j'ai pas le permis, je suis en train de passer le code. Et oui, j'ai un copain, ça fait 2 ans et demi que je suis avec. Pogo me demande si j'ajoute sur Snap. Alors, ça aussi, on m'a demandé beaucoup de fois. Alors, je vais vous le dire. Non, j'ajoute pas. Pour la seule et bonne raison que si je vous ajoute, enfin, si je vous accepte, eh ben, je vais voir vos Snaps. Et du coup, je vais me retrouver avec 3000 Snaps. Donc c'est pas, j'ai pas envie de voir les 3000 snaps, je préfère voir les snaps de ceux que j'ai envie de voir, de mes amis, de ma famille. C'est pour ça que je vous accepte pas, mais par contre, vous voyez quand même mes snaps, même si je vous ai pas en ami. Donc voilà. Tilovman me demande c'est quoi mon plat préféré. Alors mon plat préféré c'est la tartiflette. J'adore tout ce qui est patates et fromage. Momo Gaming me demande pourquoi tu joues jamais avec des filles. Alors je trouve déjà qu'il y a beaucoup moins de filles que de garçons qui jouent. Et elles ont déjà tous soit leur team, soit voilà. Mais j'ai déjà joué quand même avec des filles, mais voilà, c'est pas tout le temps. Je joue avec des filles qui sont abonnées, mais sinon voilà. Après j'ai ma team, donc voilà quoi. Emric me demande quel est ton travail? Alors je ne travaille plus, je travaillais il y a 5, 4-5 mois de là dans une maison de retraite en tant que ASL. Je faisais le ménage. Et je travaille plus parce que j'étais juste en remplacement, CDD, donc voilà.
Pourquoi alors James Cook qui me demande pourquoi je me suis lancée dans YouTube. Alors je me suis lancée dans YouTube parce que déjà j'adore YouTube, je regardais toujours des vidéos de tout le monde sur YouTube, je trouvais ça cool et du coup je me suis dit pourquoi pas moi? Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas voir? Pourquoi pas? Ça se trouve ça va marcher et voilà au moins. Et du coup bah je regrette pas de m'avoir lancée dans YouTube quoi. Et est-ce que tu vas faire des vidéos ou que des lives? Alors James, j'ai déjà fait des vidéos et je compte en faire toujours. Donc bah voilà. Et des lives, bah, comme d'habitude, hein, quasiment tous les soirs, il y a des lives. Alors on a King qui me demande si je veux rentrer dans sa team. Alors désolé King, mais non merci, j'ai déjà une team et on est déjà 6 ou 7, je sais plus trop 6. Et je trouve que c'est déjà assez et j'abandonnerai pas ma team. Voilà. Alors, on a Kotix qui me demande, penses-tu faire des partenariats avec d'autres YouTube? Alors, non. Si tu n'aimais pas la PS4, tu aurais pris quelle plateforme? Eh ben, je sais pas, mais j'aurais pas pris la Xbox en tout cas, parce que je déteste la Xbox. Moi, j'ai toujours été PS depuis toute petite, PS1, PS2, PS3, PS4. Mais ouais, pas la Xbox. Donc, ce serait soit je retournerai sur la PS3, soit j'attendrai la PS5, je sais pas. Alors, on a Boucan31 qui me demande si j'aime le GTA 5 et le. Ouais, ou le R6. Et si je faisais une cam? Donc la cam, j'ai répondu. Et oui, donc je fais du GTA et j'adore le GTA. Par contre, le R6, je n'ai jamais joué, donc je ne peux pas dire si j'aime, mais j'aurais bien aimé pouvoir essayer et pouvoir l'acheter. Alors, Perle Gaming qui me demande, quel futur jeu vidéo envisages-tu de faire sur ta chaîne? Jeu ou vidéo, d'accord. Quel futur jeu ou vidéo envisages-tu de faire sur ta chaîne? Alors, en jeu, j'envisage de faire énormément de jeux, changer. J'ai pas envie de faire que du GTA. Donc, je pense faire énormément de jeux. En vidéo, bah pareil, énormément de vidéos avec les abonnés ou d'autres choses. De toute façon, je verrai bien. Ça, c'est. Je fais au feeling. Je pense pas à avant. Je fais tout direct. Enfin, voilà. Donc, vidéo bah, comme cache-cache, comme tout ce qu'on a fait avec les abonnés. Il y aura beaucoup d'autres vidéos et plein d'autres jeux, les gars. Et quels sont tes objectifs pour le futur de ta chaîne? Alors, en objectif, j'aimerais déjà atteindre les 10 000 abonnés. Ce serait déjà génial. Et peut-être qu'au fur et à mesure, je ferai des vidéos autres que du gaming, qui sait. Mais pour l'instant, je préfère rester dans le gaming. Et peut-être que j'avancerai dans des vidéos dans la vie réelle ou quoi. Je verrai bien. De Nala. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer YouTube? Alors, c'est en regardant tous les gens sur leur live ou toutes les personnes qui font des vidéos, qui s'éclatent. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas... voilà. Et en fait, ouais, pourquoi pas essayer quoi? Et du coup, j'ai essayé et maintenant je suis tombée dedans et j'arrive plus à lâcher quoi. J'adore tout ce qui est faire des lives avec vous, les gars. Tout ce qui est vidéo avec vous. Non, j'adore. C'est génial. Et quels sont tes anciens jeux vidéo préférés? Mon ancien ou mes anciens, c'est les anciens Tomb Raider, Spyro sur PS2, Crash Bandicoot aussi qui était sur PS2. Donc c'était, ouais, c'est surtout Spyro qui était vraiment toute ma vie, quoi. Alors, Suprême Mayo qui me demande si je vais faire des vlogs plus tard. Je ne sais pas du tout. Je préfère pas te dire oui ou non. Je préfère te dire je ne sais pas car je ne sais pas du tout. Drez me demande pourquoi ce logo sur ta chaîne. Alors ce logo, bah, c'est tout simplement moi avec un filtre Snapchat Catwoman. Je trouvais que ça faisait stylé. J'avais envie de changer ma photo, du coup j'ai mis celle-là. Voilà, tout simplement. Faudel me demande est-ce que mon copain jouera avec moi? Alors c'est un peu compliqué parce que mon copain travaille toute la semaine. Il rentre vers 23h, 23h30 du soir. Il joue lui les week-ends, le dimanche après-midi et les lundis après-midi si on sort pas. Mais voilà, donc sinon je peux pas jouer avec lui. Et le soir, il va au lit super tôt. Enfin, dès qu'il rentre, il regarde la télé, il va au lit. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, Tipex, il me demande. Je suis tombée amoureuse combien de mecs. Je suis tombée amoureuse de combien de mecs dans mon passé? Alors, franchement, à part celui que j'ai en ce moment, c'est pas mon copain que j'ai maintenant, je dirais 3. Voilà. Kionjing Gamer qui me demande si j'ai un PC gamer. Alors non, toujours pas de PC. J'ai deux ordi portables. J'en ai un qui s'allume plus et l'autre qui bug énormément. Genre, je vais aller sur Facebook, je vais mettre 30 minutes à aller sur Facebook, donc c'est plus possible. Je vais me racheter un ordinateur et le plus vite possible. OM78330 qui me demande quelle est ma plus grande phobie. Alors j'ai pas vraiment de phobie, OM. J'ai peur de rien en fait. Je suis pas une gnognoche. Donc j'ai pas vraiment de phobie, je pourrais pas te dire.
Jordan me demande quel est mon jeu préféré en ce moment. Alors en ce moment, c'est The Last of Us et j'ai adoré aussi Until Dawn que j'ai joué hier. Donc c'est vraiment entre les deux. Je dirais quand même plus The Last of Us quand même parce que j'adore les jeux de zombies. Nucléaire qui me demande si j'aime bien les courses GTA. Bien sûr que oui. Moi, j'adore les courses sur GTA, les courses What the fuck, les parcours hard, voilà, tout ce qui est comme ça, les affrontements, les modes rivalité. Donc voilà. Sayako me demande de quelle origine je suis. Alors, je suis française et allemande. Le perruque me demande si je lis des mangas et si oui, lesquels. Alors, non, je suis désolée, mais je lis pas de mangas. Donc, voilà. Alors, Vegeta qui me demande la HD, c'est pourquoi? On est en 2017, sérieux. Alors, désolée, Vegeta, mais sur GTA, ça va être compliqué pour moi de mettre en HD car. Quand je mets en 700 et calques, et ben, j'ai des écrans noirs au bout de 10 minutes. Alors que quand je mets en 300 et calques, et ben, j'ai des écrans noirs au bout de 6 heures. Par contre, sur les autres jeux, sur Crash, sur Until Dawn, sur tous les autres jeux à part GTA, je mets tout le temps en 700 et calques. Par contre, sur GTA, non. Mais quand je vais m'acheter mon ordi, je vais essayer de régler ce problème et essayer de mettre en bonne qualité. De toute façon, je vais bientôt déménager, donc j'espère que c'est là où j'habite qui bloque comme ça. Ou sinon, je changerai tout simplement de free. Le perruque, comment as-tu commencé l'aventure YouTube? Comment j'ai commencé l'aventure YouTube? Alors déjà, j'ai commencé il y a 2 mois YouTube. YouTube, pour ceux qui savent pas. Et comment j'ai commencé? Bah tout simplement, au début, je faisais que des vidéos sur les parcours A, comme vous pouvez voir sur ma chaîne. Et après, je me suis dit, pourquoi pas commencer les lives. Et en fait, les lives, ça a vraiment tout fait, parce que les lives, c'est là où tous les gens y viennent, où tous les gens peuvent te parler, peuvent s'abonner à toi, et au fur et à mesure, après, tu peux faire des vidéos, et tu peux voir que quand même des gens regardent tes vidéos après. Donc pour ceux qui débutent sur YouTube, moi je vous dis faites des lives, c'est super cool, c'est agréable, moi j'adore ça. Alors Zennox qui me demande si je vais jouer à Rocket League, alors je sais pas du tout. J'ai jamais joué à Rocket League, alors je ne sais pas, peut-être que j'essayerai. InSpace qui me demande si je vais jouer à d'autres jeux. Alors oui, je ne joue pas qu'à GTA, je joue aussi à Black Ops. Bah après, je joue à des jeux pas où je peux jouer avec vous, par contre. Mais je vais jouer à d'autres jeux. Normalement, il y a Battlefield 1 bientôt, il y a The Last of Us qui va sortir. Enfin voilà, il y aura d'autres jeux et je joue quand même à d'autres jeux. Alors, on a Diffreeze qui me demande si je fais du RNG. Alors oui, je fais du RNG, mais pas tout le temps. Je fais du RNG une fois sur 1 mois, on va dire. C'est pas ce que je préfère. Moi, comme j'ai dit, je préfère les parcours et les courses hard et what the fuck. Voilà. Alors, Nicolas qui me demande si je vais faire des pranks. Alors, peut-être. Peut-être qu'il y aurait des pranks. Je ne sais pas toujours. En fait, je ne sais rien. Je vois pas l'avenir. Moi, je vis au jour le jour et voilà. Lélé qui me demande, vas-tu faire des lives et dans lesquels on fera tous un blind test? Alors, pourquoi pas? Vas-tu refaire du cache-cache ou du camouflage? Il n'y a pas de souci. Il y aura du cache-cache, il y aura du camouflage. Il y aura plein d'autres activités avec vous. Il y aura plein, plein d'activités. Au fur et à mesure, je vais avoir des nouvelles idées et je vais faire ça avec vous. Il n'y a pas de souci. Alors, Pierre qui me demande si je vais faire une vidéo setup. Alors, je préfère pas pour le moment car je n'ai pas vraiment un setup. Je suis dans mon salon, je suis en appartement avec mon copain. Je suis dans mon salon. Il y a 2 télés. J'ai un grand écran pour la télé et un moyen écran pour la play. Par contre, quand mon copain n'est pas là, je me mets sur la grande télé. Mais quand il est là, c'est plus pratique pour moi d'être sur une deuxième télé. Comme ça, lui, il peut regarder la télé. Et moi, je suis à côté de lui, mais je joue. Tout simplement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de setup. Mais normalement, quand je vais déménager, je vais essayer au maximum d'acheter tout ce qu'il faut pour me faire un setup. Ce serait génial. Alors, on a Nicolas qui me demande si je vais continuer à faire des lives. Alors oui, je vais continuer à faire des lives. C'est la chose que je continuerai à faire le plus. Je préfère faire ça que des vidéos. C'est encore mieux pour moi, les lives. J'adore ça. Skis qui me demande, c'est qui sur le logo de la chaîne? Alors, c'est moi. Et il me demande, tu as quoi comme jeu? Alors, en ce moment, j'ai Star Wars, Battlefield 1, GTA 5, Black Ops 3, Tomb Raider, Crash Bandicoot 1, 2 et 3, Until Dawn, The Last of Us, Far Cry 4 et voilà, c'est tout. J'ai pas énormément de jeux. Je joue pas pour l'instant. Je joue pas. Voilà, je joue qu'à 4-5 jeux en ce moment. C'est tout. Alors, The Ark Burger qui me demande si j'ai un animal de compagnie. Alors, oui, j'ai un animal de compagnie. C'est un chien. C'est une femelle et elle s'appelle Maya et elle a 1 an et demi. C'est Seka qui me demande quelle idée t'es venue de faire une chaîne YouTube. Alors, tout simplement, je regardais les lives de certaines filles. Et moi, je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer, pourquoi pas rigoler avec les gens, voilà comme tout le monde fait en ce moment. Je trouve qu'il y a énormément de personnes qui font des lives et c'est génial, moi j'adore ça.
Alors, là, j'ai un qui me demande, ça fait combien de temps que je joue à GTA? Alors, sur GTA 5, si tu parles de GTA 5, je joue depuis la PS3, depuis qu'il est sorti. Par contre, si tu parles de tous les GTA, bah, je joue depuis le premier GTA qui est sorti il y a longtemps, longtemps, longtemps. Vraiment, j'en ai pas raté un seul. J'adore GTA. Oxal qui me demande si je vais faire des vidéos. Alors là, pour l'instant, c'est une chaîne gaming. Je préfère rester là-dessus pour le moment. Par contre, si mon nombre d'abonnés augmente énormément, je ferai pourquoi pas des vidéos dans la vie réelle. Après, j'ai pas vraiment d'idée de quoi faire, mais il y a moyen que la vidéo change au fur et à mesure. Je verrai bien. Fantôme qui me demande le meilleur entre Full Vatos et lui. Alors désolé Fantôme, mais je te connais pas beaucoup. Donc je dirais Full parce que Full, il est quand même souvent premier au parcours ou en course. Et voilà, Vatos, il est pas très fort non plus quoi. Et voilà, ouais. Après, t'es fort aussi Fantôme, c'est vrai. Mais Full est quand même, je trouve, plus fort. Zikizax qui me demande si j'accepte. Ah, pourquoi je n'accepte pas les demandes d'amis sur la play, je suppose. Alors c'est simple, tout au début j'ai accepté tout le monde et en fait j'ai fait une grave erreur d'accepter tout le monde. C'est pas contre vous, mais j'avais accepté tout le monde et du coup il y avait tellement de monde que je trouvais plus mes amis pour pouvoir leur envoyer un message ou pour pouvoir les inviter en partie. Enfin c'était atroce. J'allais dans les paramètres, ça mettait au moins 5 minutes à charger pour que tout le monde s'affiche. C'est pas possible, c'était plus possible pour moi. Du coup j'ai préféré créer un groupe pour pouvoir continuer à jouer avec vous et comme si vous m'aviez en ami, mais voilà, c'est pareil. Donc voilà pourquoi j'accepte plus. Ça buguait trop, quoi. Alors, Glitcher qui me demande, tu penses quoi de Thibaut Inchep? Alors, j'adore les vidéos de Thibaut Inchep et je le trouve beau gosse. Il est vraiment pas mal et il fait des superbes vidéos. Et je l'adore. Valentin qui me demande si je veux partir sur d'autres plateformes. Alors, non, je compte pas partir sur d'autres plateformes. J'adore la PS4, enfin, tout ce qui est PS, quoi. Donc, je compte rester dessus. Alors, on a BO3 Zombie qui me demande si je vais refaire des parcours en live. Alors, je fais tout le temps, mais tout le temps. Oui, comme il a écrit qu'il était nouveau, ça se voit. Parce que BO3 Zombie, je fais des parcours quasiment tous les soirs avec mes abonnés. Voilà. Sky qui me demande si je vais faire des vlogs ou autres un jour. Alors, je ne sais pas, Sky. Comme je le dis tout à l'heure, je vis au jour le jour et je verrai bien ce que l'avenir va me réserver. Donc, voilà. Et ben voilà, on a fait tout le tour. Donc je suis désolée pour ceux que j'ai pas dit leur pseudo. Vous avez posé les mêmes questions que toutes les personnes dont j'ai répondu. Je suis aussi désolée si j'ai pas répondu à des personnes, que j'ai oublié leurs commentaires. Il y avait énormément de questions. J'ai peut-être oublié quelques commentaires. Je suis vraiment désolée. En tout cas, je vous remercie tous, à tous ceux qui sont abonnés à moi, qui me mettent des pouces bleus tous les jours, qui me suivent, qui regardent mes lives, qui regardent mes vidéos, qui m'ont posé ces questions. Je veux que vous sachiez que je suis super contente. Ça fait 2 mois que je suis sur YouTube, j'ai 2500 abonnés, je trouve ça énorme en 2 mois. Et c'est à cause de vous que j'avance comme ça. Enfin, c'est vous qui me fait avancer, voilà, vous serez pas là, j'aurais déjà abandonné depuis longtemps. Ça ne servirait à rien que je fasse ça pour 3 personnes, quoi. Donc voilà, je veux que vous sachiez que je suis super contente de vous avoir rencontré, que ça soit fille ou garçon. Vous êtes mes abonnés, vous êtes mes petits choux, quoi. Donc voilà. Donc je vous remercie à tous et donc j'espère que vous en avez su un petit peu plus sur moi. Je suis un peu désolée de parler aussi vite. Je suis une fille qui parle très vite. J'espère que vous m'avez compris et voilà. Donc je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt.